bonne gouvernance, instauration du conseil de discipline budgétaire et financière. Le conseil de discipline budgétaire et financière CDBF a lancé officiellement ses activités aujourd'hui à l'occasion d'une cérémonie tenue au Carlton d'Annous, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Tsin Christian. Ce conseil a la responsabilité de garantir la bonne gestion des finances publiques à Madagascar. Il a pour mission principale de sanctionner les fautes de gestion commises par les ordonnateurs de recettes et dépenses publiques. Cet organe de contrôle institué auprès du Premier ministre, le chef du gouvernement, assure ainsi un rôle primordial dans l'achèvement de la chaîne de contrôle a posteriori de la gestion des finances publiques. Le Conseil travaille également sur la prévention afin de devancer la commission des infractions en matière de gestion des finances publiques et de promouvoir la bonne gouvernance financière. Le Premier ministre exhorte les acteurs de développement à prêter main forte au CDBF au vu de l'importance du rôle qu'il assure. Il espère que cette nouvelle structure apportera des bons résultats et améliorera la gestion des finances publiques. Depuis la tenue de la première audience du Conseil le 14 décembre 2017, celui-ci a déjà été saisi de 13 dossiers dont 10 déjà instruits. Le Conseil a rendu 6 décisions de sanctions disciplinaires. Le Conseil envisage de terminer les instructions de cet autre dossier d'ici la fin de l'année, selon les explications de Julien Razavjakout, directeur général du CDBF.